Qu'est-ce qu'on fait avec la cité-état? On la récupère ou pas? Pense qu'on peut. Alors, prochain tour. On va se faire terre brûlée. On va se faire exploration. Est-ce qu'on a un quartier résidentiel? Époustouf. Bologne Maori, c'est vraiment pas bien. On est revenu à plus de 300 de science. Personne n'est à plus de 300 de science. Ils avaient pourtant un. Ah, mais ils ont du militaire par contre. Mais personne se fait la guerre! Non, ça c'est normal. Ah, ils sont l'un à côté de l'autre. Le Hongrois et le. Peut-être que le Hongrois c'est des cités-états. Pas penser à ça. Ah, j'ai oublié ça. Ah, j'ai pas la foi en plus. Pas la foi. Oh! Qui c'est qui m'a volé le. Ah, c'est l'Allemand. L'Allemand, il a volé. L'Allemand, il a volé. Un one turn de la banque, ça sera mieux. Alors, ici on va changer les cartes après. 8-8, la seule carte qui mériterait peut-être de l'attention. Ah, j'ai oublié une carte. On continue de suivre un petit peu dans le bac. Eh. Petit état. Zanzibar. Merde. Toute seule. Quatre émissaires, Zanzi. Oh ouais, la nuit, elle est au courant, mec. On s'est préparé. De toute façon, on est obligé d'attendre parce qu'on a pris build sur Charleroi. Donc voilà. Voilà. Il me faudrait un petit. Il me faudrait ça. On va faire ça comme ça. Caravelle.
Parce qu'au final, on fait un peu une culturelle, hein, actuellement, mais c'est juste que bah on est bien. Mais enfin d'autres, hein. Mais... Sept points, c'est bien, mais va falloir plus de points. Masse 4. Tout en plus. Elle est pas mal celle-ci. Allez, deux là. Let's go. Je pense qu'on m'a repris Bologne. Ah non, Tarou à 17. D'accord. Eh ben, je vais mettre quelques points à votre part. Hein. Alors, Candy, Zanzibar, ah ben là, c'est fini. Hein. J'ai même pas de quartier diplo, j'ai pas de chancellerie. Hier, on avait juste. On avait justement tenu les sites, etc. comme ça. Aujourd'hui, une tour, ça. Alors, trois émissaires. Trois émissaires, c'est Zanzi plus tard? Peut-être. Moteur à vapeur prochain. La carte de modernisation, de toute façon, je vais en avoir besoin pour pouvoir requalifier les prochains trucs. Donc. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? On voit les gens qui ont envie de faire la guerre, hein. Donc, on va rester sur cette carte-là, comme on disait. On a ça. Et ouais, et la centrale à pétrole. Moi, ça me tente bien. Évidemment. On avait une autre centrale à pétrole, je crois, que je voulais faire. C'était là. On va attendre tranquillement. Qui c'est qui a déclaré la guerre à Alexia? Alexia. C'est le Norvégien. 1100 à 1100. Oh putain, l'Allemagne est en train de tomber. La caravelle va pas sortir. Peut-être le moteur, peut-être le cuirassier à vapeur va sortir. C'est vrai, t'as raison, j'ai pas vu. On tempora d'un tour. Hein.
Je pensais qu'elle était déjà sortie, tu vois. Jardin de charbon. Mine de charbon. Ah, bite de chien. C'est chiant, hein. C'est chiant. Bon. On a deux émissaires ici. En vrai, je veux bien les récupérer, moi. Moi, je vais te faire du charbon. Hein. Il va falloir surtout du pétrole. 9 par tour. Ça a l'air d'être un problème, du coup. Je fais une bombarde. Renaissance Indus, je le push maintenant là. Voilà, ça, par exemple. Putain, j'ai attaqué la triple alliance là, ils auront 3000 de militaires. Ah, il y en avait une. C'est ce que j'ai cherché tout à l'heure, mais j'ai pas vu. Oh, le play de fou.
On va commencer à piller. Jérusalem. Donc je voudrais bien voir capitalisme et finir ça. J'ai peur pour mon pétrole. Ouais, merde. J'aurais bien me faire capitalisme et conservation, ouais. Est-ce que je peux me le faire ici? Je pense que le mec a déjà FF dans sa tête. On va fouiller le prochain tour. Putain, ça fait chier. Non, je peux pas bien faire ça. On va juste espérer que ça ne le match, ça le fasse pas. Oh! Encore AFK le mec, c'est dommage hein, pour lui. Mmh, 674 de fois. J'ai rien à faire de si intéressant que ça. Ouais, je fais des petits rototos. C'est cool. C'est vachement cool. Ok, prochain tour donc on pito. Machin. J'ai plus bol à lire. Est-ce que c'est vraiment un problème? Non. C'est vrai que j'ai croisade en plus. J'ai oublié cette histoire, mais j'ai croisade. D'ailleurs, lui, ne fait rien. Il n'y a pas d'unité chez le mec, il y a 341. On va voir si ça prenne un peu quand même. Je pense qu'il est parti top 3, et top 3, tour 80, t'as pas les blindés, hein. Avec sa science.
Bon, il est là quand même. La route, un classique. Allez, un petit coin à ravitaillement. Ça. Ça va partir là-bas de l'autre côté. Oh merde, pièce de rechange. Ah, je voulais récupérer une tech. J'ai pillé quoi? J'ai pillé pour l'électricité, tiens. Kill nous bien, camarade. Une note. On va attendre les prochains pillages. Mise. Ok, en électricité, donc on a fait ça.
Il va partir à la bataille, le Maori. Ça m'étonne un peu quand même, parce qu'il avait fait une belle flotte. Ouais, la Nubie, je suis monté assez rapidement en militaire, ouais. Les chars lourds, ça fait pas beaucoup. Après, peut-être qu'ils s'attendaient justement au push blindé. J'ai l'occasion de faire un peu plus tôt, je pense que c'était bien mieux. Hein. Ah ouais, pourquoi attendre? On fait chimie, on va faire nos labos partout. On va mettre les 6 émissaires dans les cités états bleus. Alors, fascisme, d'accord. Il faut que je choisisse quand même. Ok, qu'est-ce que je voulais de plus? Rien. Ça me va pour le moment comme ça. De la guerre, parfait en deux tours, en même temps que suffrage. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce gameplay-là? Est-ce que c'est assez intéressant ou pas? Pas du tout intéressant, hein, on est d'accord. Bah ça fait un bon moment maintenant que c'est assez comme ça. On va pouvoir s'acheter le petit général le prochain tour. Guerre froide, fission nucléaire, blablabla. Ça c'est bon. Zanzibar, Bandar, Mascate. On va essayer de récupérer tout ça.
On a 1323 de fois, donc ça veut dire qu'on peut s'acheter des artilleries ou ce genre de choses, un petit personnage illustre, enfin il y a plein de trucs. Meilleur game hier, hein. Hier on a fait meilleur game. Plus de points, un meilleur sim, un plus beau sim. Avec la carte pillage. Pourquoi piller si tu récupères? Faut réparer derrière, non? Allez. Mais imagine, tu récupères du flat. Ou du coup tu récupères 129 de science, 129 de science, comment tu le fais dans le jeu? Imagine un campus, c'est combien? Un campus, c'est bibliothèque, c'est 2. Donc si tu fais 10 tours, c'est 20. Après l'université, c'est 4. Tu fais 10 tours, c'est 40, ça fait 60. Tu te rends compte? T'as déjà 3 fois plus de rentabilité, t'as 2 fois plus de rentabilité. C'est comme si t'avais fait campus pendant 20 tours avec bibliothèque et université dedans. En un pillage. En un pillage. Te rends bien compte qu'en disant ça, non? Il y a un petit truc genre... forcément, ça va être bien. Non? Je ressens pas le truc. On continue de hunter, non? Oh, j'ai tellement la flemme, putain. Hier, on avait justement dit on faisait pas ça. Bah, aujourd'hui, on fait. On attend le prochain tour. On va acheter prochain tour aussi. On a up des trucs. Enfin, pas tout up, mais bon. Je pense pas que ce soit très très nécessaire. Oh non. Ludwig. Hello micro. LOL. J'ai nerfé Zelfeya. Non. Ah bah, pas ma faute, il était sur une zone indus. Que personne me dise qu'il est bon en faisant ça.
Alors, on switch, on switch. Démo, plus de cartes. Fascisme, non. Sur monde d'activité, j'en ai pas beaucoup. Fais toujours les pillages. Au milieu. Allez, machiavélisme. On est en 88, le Magnus, les derniers titres de gouverneur, sont généralement pour Magnus, et on va le remettre dans une ville pas trop trop loin, bah, mon centre-ville. On a encore un. Combien de tech d'avance? 4 tech d'avance. The rule to end the game. Sera qui nous dit ça. My first time here. Ah, c'est si je vais faire ça. Salut, on fait quoi en fait? On arrête quand? Quand la fin de la game? Pendant ce temps-là, labo et centre de diffusion dans le bac.
Umberto niveau 2. Pas pensé à lui. Oh putain, matière plastique. Il n'y a pas de pétrole en son land. Pas depuis. Ouais, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'aurais dû faire fuser. Même thématique, on n'a pas de thématique, hein. Matière plastique, ok. Oh là là, oh, c'est si bien. Oh, je pille des bottes. Ah, je suis si content. C'est pas un bot, hein. Le mec a pas livre, mais bon. Aïe. Oh, je suis si fort. Ne changeons pas le jeu. C'est si intéressant. Ok, vous avez tous plié là. On a fait son taf là, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Ok. On va récupérer quoi? Hong Kong? On va récupérer. On va mettre des émissaires dedans. Ça va être comme les cités états jaunes, les trois. On a trois qui vont arriver. On va d'abord se faire Hong Kong, priorité, pour les Indus. Cinq techs d'avance.
Camarade. Pas notre gars. Ok. Une nouvelle petite carte. Waouh. Un quart de dingue. On a combien sur la culturelle? Bolo. Je les ai pas déplacés. Pourquoi il y a un mec là? Kawaya, mais qu'est-ce qui se passe, Kawaya? T'étais en hachant, mais what the fuck? Ah ouais, d'accord. Ville à 12 de pop, je mets de la pression. C'est terrible. Hein. On peut payer à l'infini une case? Non, juste l'aménagement. Si tu fais sur une colline, tu mets une mine, tu payes une fois la mine. Bon. Le centre de radiodiffusion, on va les faire. Tu vas payer comme un connard. La deuxième, on refait pas ça. Et ce qu'on va réparer, c'est quoi? Ah, ce qu'on va réparer, ça va être des marchés pour pouvoir refaire des routes sur les villes qui sont importantes. Les villes que vous allez piller, comme ça, sont plus importantes. Sont plus intéressantes.
C'est de la production que tu vas transférer sur tes autres villes, ces différents pillages. Zone Indus, on a encore un petit pillage ici. Six techs d'avance. On est à 60 techs sur 92 tours. Donc 32 de différence. C'est pas terrible par rapport aux autres games qu'on a pu faire. Et le départ lieu sain, même si c'était cool et même si c'était sympa à jouer et qu'on a eu du snowball au final, parce qu'on a eu 300 de score, tu vois, à tour 50. Donc c'est à peu près ce qu'on imagine en termes de snowball, tu vois, dans un empire, dans un score global avec plein d'éléments de data qui sont regroupés. Donc on a une moyenne à peu près de 300, tu vois, à tour 50. Donc on l'a eu. Et on a senti que c'était ok. L'ordre était en plus pas formidable, donc je pense que c'était bien ce qu'on a fait. C'était rigolo en plus. Regarde-moi, moi, j'ai des petites 2-6 là maintenant. J'ai des forêts que je peux te chop en plus pour la victoire scientifique. Zelfahir qui veut la deuxième place. Ça va être difficile, mon coco, non? Demandez ça. La guerre a commencé, la guerre est bientôt finie. Tails? Je ne sais pas. Au moins qui fait ça. 5-2. Ouais, il est pas si bien en plus en termes de science là actuellement, 342, 2315. Il a passé le Hongrois? S'il passe le Hongrois, oui, mais je pense pas, hein. Il a passé qui? Il a passé personne, hein. On peut pas me passer moi, hein. On est en train de poser nos spatioports parce que voilà. J'ai l'impression qu'on a rien à faire. Alors, on avait où? On avait quoi? On va se faire ça après, donc du coup, un petit peu de laser. Un peu con parce que j'avais mon espion dedans, mais pas très grave. Hein. Okay. Un petit peu dessous.
on est vers là. On va quand même se mettre l'espion sur l'américain. Manque d'activité. Oh, fait chier. Oh, fait chier. On va économiser notre argent. On n'a pas grand chose à en faire. Pour faire des up et pour acheter des GDR. Et voilà. Et ça sera notre fin de game, stratégiquement parlant, au niveau du militaire. Et on a vu. Ah, on va pouvoir libérer FES. Sympa. Hein. Est-ce que ça aurait pas été mieux une Monu au final? Mais non, je vous ai dit que j'avais besoin d'un peu de sous parce que je pensais pas qu'il allait pas se défendre avec la réforme de la monnaie pour pouvoir être bien au niveau de mes up quand j'étais sur ma front là. Mais là, sinon, non, là j'achèterais si je pouvais changer maintenant. Je mettrai une petite menue, et je réparerai tout ça, et là on a un deuxième land quoi, on a un deuxième empire véritablement, avec Zone Indus, Campus, etc. Est-ce que le deuxième personnage avec ses 711 de chance n'est pas mieux placé? Non! Il a des techs de retard, 6 technologies de retard. Avoir 42 sciences de différence quand les technologies font 1110 de sciences, tu imagines bien que quand il n'y a plus que 10 techs à faire dans le jeu... 42 chances, c'est rien. Ce qui est important, c'est la technologie d'avance et les Eureka. Est-ce que tu vas pouvoir les faire? Les Eureka, c'est 40% du total de la science, de la technologie que tu vas devoir accomplir. Donc, c'est énorme. Et bonne question, Bob. On va aller récupérer ça prochain tour. Allez, l'Empire à la dernière case ici. Allez, un petit zoo.
Comment ça se fait que j'ai autant de vision dans l'eau là? Oh mais putain. On va pouvoir un tout petit peu piller encore ici, puis après fesses. Soixante-trois sur 94. Ça commence à être pas mal, mais bon. Trop peu de prod ici, non? 183, c'est pas assez, mais bon. On pourra chop peut-être à terme. Et je suis en train d'acheter des groupes de rock pour essayer de faire une culturelle en même temps. Est-ce que ça me fait rigoler? Oh putain, moteur d'ingénieur! Salaud! Ouais, petite réforme supplémentaire. On a des lance-missiles maintenant. Mais putain. Speedy Dragon. Allez, 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 allez. C'est dur, hein. Il faut que je fasse une nuque. Une centrale nuque. Je peux faire ça quelque part?
Ah, ils vont nous la faire jouer, celle-là. Elle est finie, cette game, les gras. Elle est finie à moins que... Le goose. Le goose. Mmh. 509. Bah, écoute. C'est un petit truc. Ouais, bien sûr. Ça libère pour la science. On paye, on libère. On n'a pas un petit élu là à aller travailler? J'ai pas vu, vous avez pas vu, hein? J'ai pas vu non plus. Ça me dit rien, moi. Qu'est-ce qui se passe, mon ami Gérard? Il se fait go par l'autre. Ouais, il s'est fait go. Ouais, je m'étais pas rendu compte de l'heure. Un goose, il a récupéré. Putain. Et quoi là? Bibliothèque, va falloir un double pillage. Je pense que ça fait la tech. Mission nucléaire. Non, c'est toujours 3 tours là. Allez, Nick. Et merde. Faudrait que j'achète une zone indus. Une nuke. Je peux pas. Merci JR. Oh, ça me saoule, ils veulent pas cesser. J'espère que tu vas bien, frérot. Oui, le chasseur à réaction. Je vois la lune, ça me rend triste. Tu vois? Où ça? On a vu un chat. Ouh. Ouh.
Ouais, bim! Let's go le Maroc! Oui. Retour. Bologne 21 apparemment. 21 dans Bologne moi. Ok. Récupérer Bobo. Qui nous fait en plus de l'uranium. Si c'est pas sympa, ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, est-ce qu'on rase quelqu'un en plus? Pas, hein, on va devoir juste faire une condition de victoire. Il a découvert fusée l'autre. Découvert fusée aussi du côté de Maletiaou. Elle est morte avec une révolte dans sa dernière ville. Pas mal. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est fini, et puis là. Mondialisation, on va pouvoir le faire. Ah, je pensais pas que ça aurait été comme ça, tiens, tu vois. Deux tours, ok. Thank you.
Il y a beaucoup de trucs à faire, hein. Je peux pas vous parler en même temps et je réfléchis en même temps. Ah, bête de chien, Antium. En fait, ce qui prend la sauce, hein. J'ai pas assez d'activité. Lui est parti infanterie mécanisée, c'est pas bête hein. Ça prend cher mais c'est pas bête. Ah, c'est la dernière unité de combat rapprochée. Avec Lincoln, bon, on a quelques unités de combat rapprochées. À chaque fois qu'on fait une zone indus ou un bâtiment, on a un pop d'unité. Des groupes de rock anti-loyauté pour faire flipper les villes. Ouais, je peux faire ça, effectivement. Trop peur que l'autre me cale une diplo. Le greenwashing. Non, de rien. Oh merde. Je me suis trompé une fois, je vais pas. Moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de religion, mes couilles, hein.
Il y a énormément de militaires l'OTAN. 3002 sur la map, je sais pas qu'est-ce qu'il fait en plus. Les 3 GDR là. C'est bien. Deux complexes de loisirs. Je sais pas. On a une petite casa peut-être à faire. C'est une bonne carte, hein. Ouais, Hong Kong, je pensais que c'était le plus important. Il est en démo lui aussi. Manque la carte des projets pour l'espace. Ouais, j'ai débloqué. Raison. Est-ce qu'on a posé un complexe de loisirs? Même pas sûr. Puissance en combat théologique, let's go!
Alors, je voudrais bien des ingés après, possiblement. Il envoie où ses routes, lui, là? Oh mais putain. J'en vois pas des complexes, hein. Bonne playlist. Bonne playlist! Un peu de souffle. Ok, on va voir tout ça en one turn. Est-ce qu'on pourrait récupérer ça? L'optimisation via un espion. Il est où mon espion 2? Il en mise sur écoute. Sur l'Amérique au cas où. Ouais, bon. On va faire tout ça, de toute façon. On avait pas assez de chance pour one turn. Et puis pendant ce temps-là, 758, il se passe des choses sur la culturelle. C'est plus qu'à 110. Let's go. Wow. Oh là là, il est parti interne quoi. Par interne sur son spawn, imagine. Oh la chatte. Allez. Complexe de loisirs. C'est là, hein. Allez. Pour faire plaisir à Chuck. Ok, nickel.
Alors, mes trucs. Rhum. Pas d'ananas. Et on a redistribué 2-3 trucs. J'ai oublié de de faire la barrière. J'ai plus de zone Indus dans la ville. Ah, shit. Shit. On va continuer ça, on l'achètera au gold avec la casa. Ouais, j'ai oublié encore. Prochain tour, on va pouvoir reprendre Hong Kong. La double. Américain qui attaque, ouais. Diplomatie, attention pour Goose. Je pense qu'il a fini la Statue de la Liberté. Voilà. J'ai pris le Mahabodhi. Et Potala, il peut en mettre qu'un là, donc on le verra quoi. Pense que ça a déjà été pris du coup. Avec le Mahabodhi, il n'a pas posé de lieu 5, mec. Aïe. S'il voulait gagner la game, il aurait dû faire ça. Ah, j'ai eu mes alliés qui ont été complètement FK en vrai. Hein. Oh, c'est nul. Oh, j'avais déjà un truc nul de base. Pas de convertir. Alors, qu'est-ce qui est plus rapide, la scientifique ou la culturelle? Je la vois pas. Le nom du mode pour avoir les bonus effectifs sur les cartes. Il y a une commande pour ça. Trouvez la commande après. Les deux chiens. Oh, ça c'est con, hein, parce que ça c'est ma meilleure zone Indus. Il n'y a pas de, y a pas de théâtre dans la cape. C'est dingue, hein. Merci Pekené. Merci pour tout le monde.
petit pingouin me ravit. Vous entendez pas le bruit de Pingo? Et ça marche aujourd'hui? Parce que j'étais pas login en plus sur le truc. C'est bizarre que ça fonctionne. En vrai. Ce serait une bonne vidéo pour YouTube ça. J'aurais pas beaucoup parlé. Mais non mais la musique, la playlist était bien. C'est ma playlist. Une de mes playlists. Une de mes playlists. Ah, ça marche. Mille cent. Il a 487, hein. D'ailleurs, on a vu toute la map. Ouh, d'accord, en fait. Mais en gros, il aura rien fait, en fait. J'ai l'impression. Oh, marrant, l'arbre. Ben voilà, celui-là est bien. Rigolo. Plus 7, bah écoute, c'est bien. Oh, oh le maracana. Nickel. C'est exactement ce que je voulais. Donc... Interview intelligent, prochain tour, ça sera fait. Alors, 4 titres de Gouve. On voulait ça, oui. Allez, on gamble. Ouais, il m'avait réduit ma science, lui. En vrai. Et l'autre, il a été complètement converti. Je suis le seul à pas être converti. Oh non, le truc est perdu.
Non, pas ça, tout mais pas ça, pas level 3, bite de yinche. Neuf cent soixante-dix. Bite de linge. M'a repris Hong Kong? Non. Toujours Hong Kong. D'influence partout. Par contre, j'ai mon quartier de diplôme maintenant. Nickel. 91, 209. C'est rare. Ouais, mais non. Treize tours. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Le groupe de rock? Bon, on devrait faire des battes. Ici, non. Ouais, 1188, ça sera pas assez hein, pour la culturelle, c'est sûr. On a 52 sciences, 42 sciences. La journée sportive, les activités, c'est important. Hein. On n'est pas bien sur ça. On a trade à personne. On va pouvoir s'allouer quelques cartes. Un spatio, de l'électricité dessus. Ça sert à rien, ça c'est pour les autres villes. C'est du bait. Sword one turn. Être quasiment sûr. Ah merde. J'ai le moins 50%, je l'ai pas pris. Je l'ai vu après. Putain, je suis en plus 4. On va changer les techs. Les deux groupes de rock là. Ah, j'aime bien les regarder quand même. J'aime bien voir comment ça se passe. Ouais, mais là non. Là non, là non, là non.
Là, ça a fait peur à un moment quand même. Bande d'album 280 pour ce groupe de rock, pour Arctic Tigress. Un level 2. C'est quand la CWC? Les qualifications de la CWC. Ce squadron, cette saison, c'est qualificatif pour la CWC. Vincent Potala, non? Ouais, je pense. Hein. Ah non, quartier résidentiel. Je crois que je l'ai plus vu, moi, donc il doit plus être là. Le bordel. Oh non, il est mort. Newcastle, ça? C'est Newcastle. Ben, let's go. Level 3. Level 3, normalement, c'est là où les dingues se passent. Donc, on voulait rechanger parce que quoi? Parce qu'on nous manquait d'un d'activité, hein. Ah bah non. On est en plus 5 là. Ça veut dire que tout va bien du coup. Ok, on va rien faire, on va rien faire. Au cas où qu'on arrive à se choper un petit truc. L'arbre était pas mal. Je rachète un bat. Uranium. Ah, j'ai plus d'uranium. Uranium. J'ai une centrale à uranium, consommation moins 10. D'ailleurs, c'est là. Plus 29 d'alu. Merde. Un petit groupe de rock encore. On a rigolé. Prépare parce qu'on peut le faire. Lol. Ça me fait rigoler. I wanted a big robot with 3000 faces, but it's not possible only Prodor Goal. Donc c'est un français normalement. Il est pas de CP, il a dit. Et il connaît pas des infos comme ça, comme quoi, par exemple, pas. C'est rare. French. Donc il savait pas qu'on pouvait faire ça. On pouvait pas acheter un GDR à la fois. Je comprends, mais ça veut dire que c'est une des premières fois donc qu'il joue une cive religieuse sur la game. Pas bite de chien pour les autres. Merci, George Dye. Qu'est-ce qui se passe par rapport à mon gold d'April? J'ai des bonnes trades routes. Je suis en réforme de la monnaie. J'ai des banques bourses un peu partout avec de l'électricité. Late game, t'as beaucoup d'argent si t'es tout seul, tranquille, en train de jouer. Donc voilà. Pas grand-chose de dur par rapport à ça. C'est beaucoup, 1500, mais c'est normal. Faible uranium, M. Consommation moins 8 par tour.
C'est faux. Alors attends. Voilà. Oh non, le maracana. On n'aura pas le temps. Parc aquatique. Level 3. 6 tours. Je le fais parce que j'ai la flemme. Je vais faire autre chose. Ah, ils abusent à pas voir ça. Ah bah pour nous, ouais, c'est un peu lol. C'est bon. Bien qu'ils jouent aussi les pauvres. Là, j'aurais dû acheter plein de battes, j'aurais dû faire des battes pour m'accélérer ma scientifique, désaménager mes scieries, et chop. Et j'aurais pu peut-être le faire en deux tours. Là, ça sera sûrement trois. De technologie future. Oh, Cowboy! Alors, pas Cowboy. Bon. Tout pour moi. Pour ce tour, tout pour moi. Maracana, c'est pas une vendeur shitière, ça? Si. Si, de dingue. De dingue. Tu te rends compte? Le truc, c'est à 870 de prod. Merveille, activité plus 2 pour toutes vos villes. On est en plus 10, frère. Ça ne sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Et je vais pas le faire quand je suis dans une situation complexe, tu vois, de war, de late game. Non, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai des GDR à faire. Sicilège, things in my army takes forever to get back from other side, so it's in position now, but I didn't really to coupe. Ou coupe. Je comprends pas. Il a 10 techs de retard. C'est sur moi qu'il parlait. Il a 10 techs de retard depuis un moment, le gars. Là, il en a 11, mais bon. Je pense que c'était pas sur nous qu'il parlait. Hein. Ça me paraît très bizarre. C'était bien joué, ça. Hein. C'était bien tenté, ça. Pas mal, le petit land avec montagne, la rivière qui remonte. Pas mal, le petit volcan qui explose. Ah, y a pas Auckland. Veto fails. C'est goose. C'est goose. Bah oui, il a le veto diplo. Bon, bah on attend du coup. Hein.
Non, il n'y a pas de Erwin coming. Et pourtant, il y aurait pu avoir un petit truc ici, mais... Je vais pas te convertir. Ah bon? Oh, l'apôtre! L'apôtre qui arrive de l'autre côté du monde, quand même. Tu voulais un peu me convertir. GG! T'as fait une bonne game, mec, hein. T'as jamais fait de FFA CPL? Dis non, c'était une sacrée bonne game. T'as tenu au sim pendant toute la partie, t'étais complètement relevant. T'as un mauvais score maintenant parce que les mecs ils abusent de la méta, entre guillemets. Toi t'as pas fait la guerre, etc. Ce genre de choses. Donc bon. C'est différent, on va dire. Let's go! Alors, level 3. 1450 de tourisme, niveau 4 augmenté. Et le judaïsme ici aussi. Ah, on est reprendre. On monte un petit peu quand même. C'est pas mal ce qu'on a fait. Peut-être que prédiquer était mieux. Ouais, je me demande si prédiquer était pour mieux. Mais c'était bien cette early science. Même les 2, 4, 8 qu'on a eu là, très rapidement. Allez, fin de l'arbre. Allez, let's go. Allez. Mathieu. Alors, Mathieu. Qu'est-ce qu'on peut te faire avec toi? De toute façon, on est obligé de faire ça et... Ça y est, les dents aux fesses. C'est possible. Ah, c'est vrai que c'est pas fini. Là, on fait ça. On kill lui. Ah, c'est quelque chose, hein. Merde. Eh merde. Bite de chien. Ça se dit là, ça se dit. Loulou. Pourquoi il est allé? T'as bu toi? De nouvelles arbitres concernant la gamme annulée la dernière fois. Oui, Coucourse, on a eu toutes les infos, Coucourse. Eh bien, on va la reporter cette gamme, on va la rematch, on va la rejouer. Simplement. Bam. Avec un remap de token chacun. Ah, je suis fatigué. Il est 8h30. Ouais, dépêchez-vous de cesser, qu'on puisse peut-être en faire une deuxième ce soir, quoi. Franchement, bah ça va plus cesser maintenant, oui j'ai bien compris, J'ai compris le bordel. Ok. Avec aucun avantage pour vous, aucun avantage pour nous, non. Je crois pas. Fusarium, c'est la dèche. Pourquoi c'est la dèche? Pas grave. On y aura coupé des arbres. 2007 de militaire? Ouais, moi j'ai 2005, hein. Il m'a repris le truc. Ça fait chier. Oh merde. Merde. D'aluminium par tour. Pas mal. À chaque fois que j'ai un spatioport, j'ai 3 d'aluminium. Dites-vous ça. Donc, gouvernement, très important.
Finis pas cette tour, Lincoln, bah, tu m'étonnes. On a combien là? 10 années de lumière par tour. Ouais, il en faudra encore 7 pour finir dans 2. Alors. Complexe de loisirs, parc aquatique. What the fuck? Le jeu m'en compte. Bim, loyauté moins 40. Attention, hein. Non. Bonjour, Jules. Merci beaucoup à toi pour ton T2 et pour tout ce soutien. Ah, il m'en faut du soutien, je peux te dire, putain de merde. Oui, les éoliennes. Les éoliennes. C'est bien ce jeu. Bien ce jeu. J'ai récupéré ça. Huit tours ici. Pas mal le gouvernement en vrai. Hein. Oui, je fais un petit maracana. Non, non, la journée s'est bien passée, mais là c'est un peu lent, là c'est un peu. Sans merde quoi. Sans merde. Sinon la journée s'est plutôt bien passée. Rien de spécifique à noter. On a fait le devis pour Emma. Je dis, ils m'ont demandé un devis. J'ai lâché un devis. 2 millions. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas moi qui suis le host, donc c'est pas à moi de faire les votes. Bonjour Arcarios, bonjour Hideki. Est-ce qu'on en refait une après? 8h30. Ou est-ce qu'on part dans le défi Banca? Est-ce que vous avez lancé le défi Banca? C'est à vous que je parle! Et vous allez dire non. Ah non, vous allez dire non. Vous êtes 600, il y a eu 5 personnes qui ont lancé le défi Banca. Dont moi. Dont Ibanka, moi et Jules Sim. Mais deux chiens. Envoie un peu la flemme. Ah bah si vous avez la flemme, oui, ne le faites pas. Concours, concours de quoi? Concours de bites de chien, ouais. Ah eh oui, ça passe aussi comme ça. Ah, ça passe dans tout. Oui, je gagne dans deux tours. Agrégation de maths. Pas mal. Quête 1 du défi, mais pas posté sur le Discord. Les scores sont ridicules. Mais non, mais on s'en fout. On s'en fout du score. On s'en fout du score. Pour partager un moment.
Une activité, une passion, autre couille ou pas. Ça dépend. Carrément. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un vote? Ah mais c'est Zora là, c'est le vote de Zora, c'est pas pour le CC. Mais attendez, j'ai pas un training moi. Ah non. Ron avait essayé mais il y avait personne. Bon, on n'a plus rien à faire les gars, donc on va juste aller faire pipi déjà. Et je vais aller me prendre un petit bout de pain. Et je vais me demander si on refait une petite game. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans le staging? Il y a Polo! Il y a Polo dans le staging! On va peut-être tester la Mongolie. Avec les hordos à 30 de prod. Mais la dingue! Hordos, le truc il coûte 60 normalement, mais merde. Qu'est-ce qui se passe? Cool. Cool. Mange du pain. Ah, on n'aura pas réussi à faire la culturelle. Et non. Aquarium dans Rome. Petit aquaquoi dans Rome. Le porte-avions. Armada! Bam! Non, on se fait pas emmerder là, je veux dire. Bonjour! L'éco-défi électricité continue, tentez de remporter jusqu'à 600 kWh en réduisant votre consommation. Stop SMS 3684. Ben, on va faire stop SMS 3684. Voilà, puis. Bite de chien, hein? Non, mais NG. On gagne de l'électricité maintenant. Moi gagner une voiture, une maison, un porte-avions. Oh, l'électricité! Mérité! De quoi?
Ça me déclare? Bah ouais, bah c'est bâtard. Et Alexia, il a réussi donc à récupérer la deuxième place en prenant les villes ici. Ah, bien joué de sa part, hein. En tout cas, les gens se haïssent, hein, actuellement. Les gens se haïssent dans le chat. On peut le dire. Top 1, du coup, ouais. Top 1, ça roll. Et on va voir la petite cinématique. La 25e du mois, hein, sur 28 jours. Y a eu 2 jours où j'ai pas fait de FFA. Je reviens. En plein pain à beurre. If he was your ally, he would have done the same thing to me, I guess. Well, no, but he wasn't doing it because he was your ally at first. He was only not attacking you because you were his ally more, and then he was bored. He wasn't, like, trying to defend you. He was just taking my cities. But, like, the main thing is just that he's, like, mad I'm blocking CC, I guess, because he wants to go to bed or just leave. So, like, that's why he's getting involved. Which, again, if you want to get involved, like, for the game or whatever, it's fine. But the part is just when you're doing both things, that's what annoys me. It's like, why are you going to be mad that I'm trying to play the game for my score and then also get involved after you, like, call me cringe or whatever for it and then start coming in, taking my cities and knocking me down in score? Like, okay. You probably whatever. Could have pushed me, but it would have taken so much time. Bon, on va regarder le save replay. Eux, ils vont débriefer pendant 25 minutes ensemble. Normal, classique. Combien il y avait de cités tableaux déjà? Il y avait 3 cités tableaux, elles étaient plutôt de mon côté. Ouais, j'ai eu de la chance sur ce point de vue-là, mais par contre, j'aurais bien voulu voir les 2 cités tables blanches, moi directement, à contrario, justement, de Zora. Elle aurait bien plus voulu avoir les 2 cités tableaux directement. GG Zora. GG à vous tous. Il est 20h40, on va juste faire le save replay. Plus envie de jouer là ce soir. Ah, je vous le dis sincèrement, j'ai plus envie de jouer à Civ là ce soir. Non, ça m'a ennuyé cette game là au fur et à mesure. Il y a des trucs qui sont... J'ai pas trop aimé dans mon sim, c'était correct. C'était correct, c'était rigolo ce qu'on a fait jusqu'au tour 60, mais au final... le push n'est bien, c'était pas intéressant. Le mec c'était un bot, on a pillé. On a pris 10 techs d'avance par rapport au troisième, et puis voilà quoi, au final. Je voudrais bien voir les heals par contre. Ça m'intéresse. 47-35, mais plus 28 deux fois par tour.
J'ai mes villes, je suis en 9-17 actuellement. Est-ce qu'on va réussir à... C'est tour 50, est-ce qu'on va réussir à avoir 152 prod en ayant 120 fois par tour? C'est ça que j'ai envie de savoir. Avec les petites scieries, là. Les petites scieries, c'était intéressant, ça. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le chemin sacré, etc., qu'on a fait. On est à 100 fois par tour, avec 105. C'est comme si on avait 150, là, on va dire, en cumulé. Mais à peu près la même chose du côté de Serra, hein. Mais on a moins de stats. Ouais, je suis à 41 de science, déjà. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait dialogue interculturel très tôt. Et je pense que ça, ça m'a aidé, justement, dans ce début de partie, pour avoir les stats. Voilà, tour... Ouais, on est à 150 de prod. On est à 150 de prod, il y a juste l'allemand qui est au-dessus de nous. Mais on a aussi 108 deux fois par tour. Et on a utilisé toute cette fois pour acheter des négociants après et pour pouvoir acheter des unités à la chapelle. On n'a pas produit une seule unité dans cette game. On n'a pas fait un archer. On n'a pas fait un archer, on les a produits à la chapelle. Les arbas, les trucs comme ça. La grande bibliothèque, c'était top. On l'a mis dans notre cap assez rapidement. Mais c'est bien là. Moi j'aime bien Varreg, mais je trouve que c'est un petit peu lent en début de game. Je pense que c'est un très bon simmer à partir du tour 50, mais avant, enfin même... Avant, c'est un très bon simmer aussi, mais c'est juste que c'est une sieve menu. Et c'est compliqué. Si on n'arrive pas à avoir un bon amas de science en tout début de partie, je pense que cette sieve, lui manque un petit truc. Mais je pense que c'est une très bonne sieve, Varreg, hein, attention. Je pense qu'on la voit pas assez. Je comprends pas trop pourquoi on la voit pas assez. On la voit pas plus.